je vous propose d'aller rencontrer le chef Jérôme Nutil, qui est parti du Castella, c'est un étoilé du Gard, et qui ouvre donc un nouvel établissement à Nîmes. Bonjour Jérôme Nutil, merci de nous recevoir aujourd'hui chez vous. Nous sommes au bistrot à Nîmes, et c'est le cas de le dire, nous sommes réellement chez vous, parce qu'après avoir quitté le Castellas, vous ouvrez ici au Mas de Boudin votre établissement. Alors quel effet ça fait aujourd'hui d'avoir votre chez vous ? Bonjour, c'est toujours beaucoup de pression d'avoir une ouverture, mais encore plus que c'est chez moi. Je ne veux pas décevoir. Qu'en quittant le Castellas, est-ce que vous avez emporté votre brigade avec vous ? Il y a quelques-uns qui m'ont suivi, oui. Ouais, une quinzaine à peu près. Donc vous êtes déjà avec une équipe en qui vous avez confiance ? Oui, heureusement, oui, que j'ai des personnes sur qui je peux me soulager de mon travail et qui comprennent de suite ce que je veux. Bon, ça reste entre nous. Est-ce que vous êtes parti avec la cave du Castellas aussi ? Non, pour le bistrot, non. On est sur des vins qui partent de 15 euros à 50 euros. Beaucoup de la région, bien sûr, Costières, Duché d'Uzès, Côte-du-Rhône. Et après, on monte légèrement sur les Côtes-du-Rhône du Nord, avec une touche sur des vins de Bourgogne, où j'ai longtemps travaillé aussi. Loire, parce que j'aime bien les vins de Loire aussi. Voilà, mais sinon, c'est une carte qui reste très abordable au niveau des vins. Le gastro, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, sera la deuxième partie de cet établissement qui sera gastronomique et qui ouvre en mars. Le restaurant gastronomique et l'hôtel et les salles de séminaire ouvriront le 1er mars. Pour l'instant, nous avons le restaurant bistrot et la boutique. La liste des vins que vous avez choisi pour ces fêtes. Duché d'Uzès, Domaine Chabrier. Pour Costières, il y aura Masse Neuf de Luc Baudet. Après, j'ai aussi un vin de l'Hérault de Paul Masse, Jean-Claude Masse. Après, bon, j'ai des incontournables, j'ai Roc d'Anglade. Et votre vin de fête par excellence ? Le champagne. Et lequel ? Duval-le-Roi. Voilà, une jolie adresse. On espère que ça vous a donné envie de la découvrir pendant les fêtes. Bonne année à toutes et à tous. Donc vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur @wineeller pour ce qui est de Twitter et sur wineeller, les vins du Languedoc-Roussillon, sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer des petites infos, des petits mots. On est toujours ravis de vous lire.